félicité pour ceux qui ont cru. Ils seront dans une allée glacée perdue. Ils iront au paradis éternellement. Il est grand le bonheur pour les musulmans. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du paradis et de l'enfer. Le paradis est la demeure de la félicité et du bonheur. Le paradis est pour les musulmans. Le musulman, il sera heureux, il n'y sera jamais triste, ne tombera jamais malade et ne mourra pas. Dans le paradis, le musulman restera toujours jeune et restera au paradis éternellement. Le paradis est un endroit sans pareil. Il existe actuellement, il est au-dessus du septième ciel et le trône est large et le toit du paradis. Quant à l'enfer, c'est la demeure du châtiment. C'est un endroit où les mécréants resteront éternellement. Certains musulmans grands pécheurs iront aussi en enfer mais ne resteront pas éternellement. L'enfer est noir ténébreux. En enfer, le mécréant sera châtié. Le feu de l'enfer est intense et le froid de l'enfer est intense. L'enfer est en dessous de la septième terre. Que Allah nous en préserve et nous fasse rentrer au paradis. Amin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum. Pour ceux qui n'auront pas cru, ils seront dans une détresse éperdue. Ils iront en enfer. Ils seront dans une allégresse éperdue. Ils iront au paradis éternellement. Leur visage plus jamais marqué par le temps. Une grande félicité pour ceux qui ont cru. Ils seront dans une allégresse éperdue. Ils iront au paradis éternellement. Qu'il est grand le bonheur pour les musulmans.